Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de débloquer le camouflage sur le lanceur Joker facilement et très rapidement. Donc sur Modern Warfare 2 et sur Warzone. Alors pour réaliser ce glitch, il vous faudra au moins une arme par terre. Donc là par exemple le personnage, c'est un allié je crois. Regardez, il y a son arme par terre, donc ce que vous faites c'est que vous prenez votre lanceur Joker et là vous allez lock comme ça dans le vide. Jusqu'à temps qu'il soit marqué tirer. Ensuite, vous prenez l'arme qui est par terre, donc l'arme de votre allié ou d'un autre joueur, peu importe, hein, ça peut être votre ennemi. Et là, maintenant que j'ai fait ça, regardez, je vais pouvoir tirer directement dès que je vois un ennemi. Donc là, j'avance. Dès que je vois un ennemi, je tire et vous allez voir que la roquette va directement s'envoyer. J'aurai pas besoin de viser pour tirer la roquette. Donc là, je vois pas d'ennemi par contre. Ok, donc là il y a quelqu'un qui s'est fait tuer, à mon avis un ennemi pas loin. Ok, normalement il y a un ennemi là. Hop, je tire et boum, regardez, j'ai fait une double kill. Donc voilà, vous faites ça en illimité. Donc là, regardez, le problème c'est que j'ai que deux munitions dans mon Joker. Donc ce qui est bien, c'est d'utiliser Pillard pour réaliser cette astuce. Parce que là, comme je suis mort, ben, je peux plus retirer. Il faut absolument refaire la technique avec une arme qui se trouve au sol. Donc même un couteau, hein, ça fonctionne. Donc avec n'importe quelle arme. Hop, ouais, là j'ai pas réussi parce qu'on m'a tué. Donc là, regardez, je cherche une arme, je vise, hop, dès qu'il est marqué tirer, je change d'arme, je récupère mon Joker, et là, hop, je peux tirer directement. Boum! Bon, là, je me suis suicidé parce que j'ai tiré trop près, mais vous avez capté le délire. Donc, grâce à cette technique, vous allez pouvoir débloquer le camouflage du lanceur Joker plus facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec, et ciao! Peace!